Il y a un homme, les gars, c'est la fin de Monsieur le ministre de l'administration territoriale, monsieur le gouverneur de région, monsieur le préfet du département du Fundi, monsieur le maire de la ville de Yaoundé, c'est l'un des invités, mesdames et messieurs. La présente cérémonie au clôture des travaux de la première conférence ministérielle des gouverneurs de région, au titre des assises en cours, prévoit deux points. La présentation du rapport général des travaux par monsieur Édouard Effa, Yves Christian, secrétaire général du MINAT, et le discours de clôture des dix travaux par son excellence, Attendant du Pôle, ministre de l'administration territoriale. Mesdames et messieurs, si vous en avez confiance, en présence de l'invitant, secrétaire général du MINAT, je vais vous prendre la parole pour la présentation de la fonds de débat. Ah, c'est la seule. Il va le faire chez tous les groupes qui sont dans le bon. Doucement avec les câbles là, doucement. Monsieur le gouverneur de région, monsieur le maire de la ville de Yaoundé, mesdames et messieurs, nous vous donnons à présent lecture du rapport général de la première conférence ministérielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2021. Sur très haute instruction de M. le Président de la République, le ministre de l'Administration territoriale, son Excellence Paul Atanganji, a présidé les 14 et 15 juin 2021 à Yaoundé les travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année en cours sur la thématique générale décentralisation et ordre public. Y ont pris part, outre les 10 gouverneurs de région, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le secrétaire d'État auprès du ministre délégué à la présidence, chargé de la gendarmerie nationale, le délégué général à la sûreté nationale, le représentant de la présidence de la République, le représentant des services du Premier ministre, certains proches collaborateurs du ministre de l'Administration territoriale. Les travaux se sont déroulés en quatre principales phases, à savoir l'ouverture sur l'annexe des assises, la communication conjointe du CED et du DGSN, la communication spéciale du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et enfin la séance à huis clos. 1. De l'ouverture solennelle des assises. Dans son allocution en ouverture des travaux, le ministre de l'Administration territoriale a tout d'abord salué la présence du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, et du délégué général à la sûreté nationale. Poursuivant son propos, il a souligné que la session de ce jour se tenait sur très haute instruction du président de la République, chef de l'État, chef des armées, qui apprécie que ces assises soient prioritairement consacrées à l'évolution de la situation sécuritaire du pays au moment où le Cameroun s'apprête à accueillir la CAN Total Énergie 2022. En droite ligne de cette très haute directive, l'agenda de la présente conférence devait conséquemment porter sur l'évaluation de la conjoncture nationale au cours des 6 derniers mois sur les plans sécuritaires, politiques, économiques et sociaux, ainsi que sur l'analyse prospective des défis qui interpellent l'administration territoriale dans les 6 prochains mois. Évoquant d'emblée la situation sécuritaire nationale, telle qu'elle ressort de l'analyse des rapports des gouverneurs de région, le ministre de l'administration territoriale a constaté qu'elle est globalement sous contrôle, bien que les défis importants restent à relever. Sur le plan politique et dans le registre des éléments de l'analyse rétrospective,
Le ministre de l'administration territoriale a évoqué la mise en place des exécutifs régionaux qui parachèvent l'architecture institutionnelle de la décentralisation au Cameroun. À cet effet, il a répercuté au gouverneur des régions la très haute appréciation du président de la République pour la qualité des mesures prises, qui ont notamment permis d'assurer un encadrement sécuritaire sans faille de l'ensemble du processus électoral dans notre pays depuis 2018. Il a ensuite mentionné la préparation de la CAN 2022 en engageant au passage les gouverneurs des régions à renforcer le suivi de proximité de tous les projets en cours d'exécution dans leurs régions respectives. Ce suivi de proximité devra également être appliqué aux grands projets de développement qui matérialise la politique des grandes opportunités du chef de l'État visant à faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2025. Les gouverneurs des régions ont dès lors été invités, en étroite collaboration avec les maîtres d'ouvrage concernés, à lutter contre le phénomène des chantiers abandonnés, les retards et les malfaçons dans l'exécution des dits marchés. Le ministre de l'administration territoriale a ensuite récapitulé les principaux éléments de contexte prévalant au moment de la tenue des assises de la conférence semestrielle des gouverneurs pour indiquer que l'évaluation rétrospective et prospective dans le cadre des dites assises porterait également sur, je cite, la persistance d'actes de banditisme dans certaines de nos villes et campagnes qui appellent une attention particulière autant que les formes émergentes de criminalité à l'instar de la criminalité cybernétique. Les examens de fin d'année scolaire 2020-2021 et les préparatifs de l'année scolaire 2021-2022, au bon déroulement desquels les autorités administratives devront veiller. La situation sanitaire est marquée par la persistance de la pandémie du coronavirus qui appelle conformément aux très hautes instructions du chef de l'État la sensibilisation sur les mesures barrières à observer ainsi que sur la vaccination qui, bien qu'étant volontaire, reste le meilleur moyen de limitation de la propagation de la COVID-19. La situation sécuritaire des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Extrême-Nord et dans une certaine mesure de l'Est qui mérite une évaluation en profondeur. En appelant à la vigilance et à la proactivité, le ministre de l'administration territoriale a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité pour les résultats déjà obtenus grâce à leur professionnalisme, à leur détermination et à leur engagement patriotique. Le désordre urbain, qui est commun à la quasi-totalité des villes du Cameroun. Dans ce registre, le ministre de l'administration territoriale a demandé au gouverneur de lutter contre l'occupation anarchique de la voie publique et accroître l'encadrement de l'activité des mototaxis. La collaboration entre les élus locaux. Au regard de la récurrence des conflits entre élus, la fonction médiatrice des autorités administratives devrait être mise pour promouvoir la bonne collaboration entre ces dernières dans l'intérêt bien compris des populations. Abondant dans la thématique générale des assises, le ministre de l'administration territoriale a rappelé qu'en plus d'être le représentant du chef de l'État et de chacun des membres du gouvernement, le gouverneur assure le maintien de l'ordre public en application des lois et règlements en vigueur de la République. Aussi doit-il veiller à l'encadrement idoine de tous les services publics, sans favoritisme, mais avec fermeté, à la préservation et au maintien de l'ordre public, ainsi qu'à la protection des biens et des personnes en liaison avec ses collaborateurs et les forces de maintien de l'ordre. Concluant son discours d'ouverture, le ministre de l'administration territoriale a invité les gouverneurs des régions à tirer les meilleures leçons possibles des exposés prévus dans le cadre de cette conférence semestrielle. Après quoi, il a déclaré ouvert les travaux de la dite conférence. 2. De la communication conjointe du CED et du DGSN. À la suite du propos introductif du ministre de l'administration territoriale, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale et le délégué général à la Sûreté nationale ont respectivement présenté des communications sur l'évaluation de la situation sécuritaire du pays. Il en ressort de ces présentations d'une manière générale que la situation sécuritaire d'ensemble est globalement
sous contrôle. Le pays vit un calme relatif, les institutions nationales sont en place et les populations, pour l'essentiel, vont normalement à leurs occupations. Cependant, les défis sécuritaires qui persistent dans les quatre régions sensibles du pays, à savoir l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est, ont été relevés par le CERN, le DGSN. Il s'agit entre autres des incursions terroristes de la secte Boko Haram, d'attaques frontales contre les unités isolées des forces de défense et de sécurité, de l'augmentation des actes de terreur et autres exactions perpétrées par les séparatistes, de la fabrication et l'usage des engins explosifs improvisés, EEI, de plus en plus sophistiqués, du recrutement des mercenaires séparatistes par ces derniers. Ces actions sont accompagnées par des meurtres, assassinats, pillages, incendies, enlèvements de personnes, des demandes de rançon, de destruction de biens et de l'implantation des barrières sur les axes routiers. Ces menaces sont toutefois contenues par les forces de défense et de sécurité qui poursuivent inlassablement les missions de sécurisation du pays, notamment à travers le renseignement prévisionnel et la multiplication des opérations offensives et de maîtrise de la violence sur les différents théâtres opérationnels. Un calme relatif est observé dans les autres régions malgré la persistance de certains fléaux en zone urbaine, notamment la criminalité due à la consommation excessive des stupéfiants, le grand banditisme caractérisé par des vols de véhicules et cambriolages, la cybercriminalité, le désordre urbain et l'augmentation du nombre d'accidents de la circulation. En guise de perspective, diverses mesures sont en cours de mise en œuvre pour répondre aux préoccupations récurrentes des gouverneurs des régions. Il s'agit entre autres du renforcement du dispositif sécuritaire dans les régions à travers l'affectation des personnels, l'envoi de renforts en fonction des circonstances sur le terrain, le recrutement de gendarmes et policiers, l'augmentation substantielle des effectifs dans les régions en crise et les grands centres urbains. Dans le même ordre d'idée, le renforcement des moyens roulants et du maillage territorial des forces de défense et de sécurité sont envisagés. Une meilleure organisation des comités de vigilance devrait également être envisagée. L'amélioration des conditions de vie des populations, le désenclavement ainsi que la prévention et la lutte contre les conflits intercommunautaires sont également des problématiques qui doivent être adressées pour un maintien durable de la paix sociale. Des mesures spécifiques seront prises pour assurer une couverture sécuritaire appropriée de la journée du 1er octobre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et de la CAN 2022, comme cela fut le cas lors du Champ Total 2021, en dépit des menaces avérées de certaines forces d'opposition et de la persistance de la crise sanitaire due au COVID-19. 3. De la communication du MINADEL. À l'entame de sa communication sur les enjeux du processus électoral, en cours à la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, CAPEF, le MINADER a présenté au gouverneur des régions un bref historique de l'évolution de cette chambre consulaire, créée en 1955 suite à la dislocation de la Chambre d'agriculture et de commerce, une chambre consulaire à l'époque. Après avoir mentionné la réforme de cette structure, suite au décret numéro 2016-194 du 13 avril 2016, le MINADER a indiqué que les élections projetées au sein des organes collégiaux sont devenues hautement nécessaires au regard de l'expiration des mandats intervenus depuis 2015. Les dites élections, a-t-il indiqué, seront organisées en vertu des dispositions du décret numéro 2021-1052-PM du 26 février 2021, fixant les conditions électorales d'élection à la CAPEF et sous la coordination en deux niveaux, à savoir la Commission électorale nationale présidée par le MINADER et les commissions électorales régionales présidées par les gouverneurs de région. Les opérations matérielles dévolues aux dites commissions ont été précisées par un arrêté numéro 00080 par le MINADER du 31 mars 2021. Convoquant le corps électoral et fixant le calendrier des opérations électorales, les règles relatives aux opérations électorales, ainsi que la répartition des sièges par section et par région.
Elles s'étaleront sur 6 mois et prendront fin par l'installation de la nouvelle mandature, conformément au calendrier afférent. Les 10 opérations permettront notamment de renouveler, d'une part, des membres de l'Assemblée plénière et d'autre part, les responsables des différentes sections au sein du bureau exécutif, dans une optique de redynamisation de la CAPEF en tant qu'institution exerçant des missions de représentation, de formation professionnelle, de promotion économique et de services publics dans le secteur du développement rural. À cet égard, et considérant les enjeux politiques et économiques que charrie ce secteur névralgique, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a recommandé aux gouverneurs des régions de s'impliquer activement pour la réussite de l'ensemble des opérations, y compris la réussite de l'ensemble, y compris les opérations de sensibilisation des acteurs prévues dans le cadre des ateliers régionaux de formation et de sensibilisation prévus du 11 au 21 juin 2021 dans les 10 régions, dans les 10 chefs de région, dans les 10 chefs de région, je vous en prie. À l'issue de cette communication du MINADER, les préoccupations des gouverneurs de région ont principalement porté sur les modalités d'accompagnement et de déroulement du calendrier électoral, ainsi que les éventuels cas d'incompatibilité à prendre en compte dans la conduite du processus. Four, the in-camera session. An in-camera session devoted to representation of the administrative, socio-economic, political and security situation in the different regions was held on 14th of June 2021 from 3 p.m. at Hilton Hotel Yaoundé. Governors reported on the relatively satisfactory functioning of public services despite the low physical and financial execution of the public investment budget. Problems related to the compensation of local residents affected by project six, poor maturation of certain projects, and abandonment of construction sites were equally identified as impediments to the effectiveness of the public investment budget. Governors equally dwelt on the functioning of institutions resulting from decentralization, especially the region, where there are significant signs of friction between administrative authorities and the regional and local authorities, on the one hand, and between the city mayor and subdivisional mayor, on the other hand. On this point, they made proposal aim at strengthening state authority in all administrative units for better supervision of regional and local authorities. Moreover, the mind of the population was assessed at the dots of the 2020 and 2021 academic year. Finally, with regard to politics and security, the situation in the northwest, southwest, far north, and east region was given special attention. It is quite obvious, especially in the northwest and southwest region, that the initially tiny separatist groups with certain claims have literally transformed to organized crime syndicates and so have their modus operandi. In addition, sustained attention should be paid to the border areas of the east, Adamawa, far north, and north region to guarantee permanent control over border crossing points and thus avoid any invasion of armed gangs into the national territory. Other specific concerns were raised by the regional governors, which will be addressed by relevant authorities. A separate classified report was drafted for the in-camera session, which ended at 10:45 p.m. done in Yaoundé, 15th of June 2021. Go, I'll give you a little bit.
Mesdames et Messieurs, après la présentation du rapport général des travaux par le président du NAPS, nous vous invitons à présent à bien vouloir suivre avec l'attention requise le discours de clôture des travaux, discours qui sera prononcé par Son Excellence Atamadji Paul, ministre de l'Administration territoriale. Monsieur le gouverneur des régions, monsieur le préfet du département de Fondi, monsieur le maire de la ville de Yaoundé, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, il m'est particulièrement agréable de présider ce jour la cérémonie de clôture des travaux de la première conférence semestrielle de gouverneurs de région au titre de l'année 2021, dont la thématique générale portait sur décentralisation et ordre public. Je suis d'autant plus heureux que les échanges qui ont ponctué cette rencontre ont été riches et édifiants, comme l'atteste le rapport général des travaux dont je viens d'être donné par monsieur le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale. Dès lors, on peut se réjouir de la qualité et de la densité de la communication présentée conjointement par monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale et monsieur le délégué général à la sécurité nationale, qui nous ont fait comme de tradition l'amitié d'être le nôtre. Leurs exposés nous ont permis, comme instruit par M. le Président et le chef de l'État, de faire le point de la situation sécuritaire de notre pays au moment où le Cameroun reste confronté à certains défis sécuritaires et s'apprête à accueillir la grande fête du football africain en 2022. Et qu'il me soit permis de saluer les dispositions prises par les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité en vue d'assurer le maintien de l'ordre dans nos villes campagnes et d'anticiper sur les éventuelles perturbations de l'ordre public. Dans le même sens, je voudrais remercier sincèrement M. le ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour sa communication relative à l'élection prochaine des membres de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. À cet égard, je vous demande de veiller, comme par le passé, à la bonne tenue de ce processus électoral dont le but ultime est de donner un souffle nouveau à cette chambre consulaire dont l'importance ne vous échappe guère. Monsieur le gouverneur, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, les travaux qui s'achèvent aujourd'hui nous ont également donné l'occasion d'apprécier l'état d'esprit général de la population à la veille de la fin de l'année scolaire 2020-2021, dévoiler les mesures à prendre en vue du relèvement des effectifs des élèves et des enseignants dans les différents établissements des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour l'année scolaire prochaine. Par ailleurs, nos assises nous ont permis d'examiner le rôle de l'autorité administrative dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Dès lors, je vous engage à jouer à fond votre rôle d'encadrement et d'appui conseil auprès des collectivités territoriales décentralisées afin qu'elles contribuent à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, comme l'appel de tous ses voeux, Son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Distinguées personnalités. Comme nous l'avons tous constaté, beaucoup de travail a été fait sur ces différents tableaux. Mais force est de constater que plusieurs défis restent à relever. Notamment sur le front sécuritaire, les projets de développement, la lutte contre le désordre urbain, avec un accent particulier sur l'activité de mototaxi. S'agissant du cas particulier de l'exécution des projets de développement,
Je vous demande d'en assurer un suivi de proximité et de rendre compte sans délai de retard et de malfaçon relevé. Aucune complaisance ne devra être tolérée dans ce domaine, car chaque chantier abandonné, c'est l'argent perdu par l'État. Au plan sécuritaire, je voudrais vous engager, plus que par le passé, à veiller à ce qu'il y ait une synergie féconde entre les autorités administratives, les forces de sécurité et les populations. Le but étant de barrer la voie aux ennemis de la République, d'où qu'ils viennent. Pour cela, la recherche du financement prévisionnel devra demeurer au cœur de votre action. Ici aussi, la collaboration avec les populations devra être recherchée en permanence. Comme je le disais à l'ouverture de nos travaux, Monsieur le Gouverneur, une attention particulière et soutenue devrait être accordée à la criminalité cybernétique. Le vol à main armée, le vol de véhicules, les braquages à domicile et dans les taxis, les prises d'otages avec demande de rançon, les sacs de femmes régulièrement arrachés par les bandits de grands chemins qui passent pour être les conducteurs de moto-taxi. Bref, il faut tordre le cou à la grande criminalité sur toutes ses formes. Dans cette perspective, je vous invite, Monsieur le Gouverneur, à engager avec les autorités administratives placées sur vos ordres et à multiplier, trier et à densifier les tournées au sein de leurs unités de commandement respectives. Enfin, plus que par le passé, elles doivent être les autorités de terrain, mieux encore, des autorités de proximité. Par ailleurs, je vous encourage à rechercher sans relâche une synergie d'action entre les autorités administratives et les chefs des exécutifs régionaux et municipaux. C'est dans cet esprit de cohésion que la lutte contre le désordre urbain pourra porter des fruits escomptés. Je vous engage à mener un combat déterminé contre toute forme de drogue et à lutter contre la vente illicite des médicaments. En effet, il est apparu que ces produits sont à l'origine de la criminalité tant décrite dans nos villes, campagnes et certains établissements scolaires. Par ailleurs, vous devez poursuivre sans relâche la lutte contre la détention illégale d'armes à feu. En conséquence, vous éviterez toute personne irrégulièrement détentrice de ces armes à l'effet de les remettre sans délai sur votre coordination au service de la gendarmerie et de la police. Sur un autre plan, je vous exhorte à renforcer la lutte contre la propagation de la pandémie COVID-19. Pour ce faire, le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement de la République reste de rigueur. La sensibilisation de la population devrait être poursuivie également. Dans ce même sens, vous devez encourager la population à se faire vacciner. La vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est utile, je dirais même nécessaire, pour freiner la propagation du COVID-19. Monsieur le Gouverneur, distinguée personnalité, tout compte fait, je ne doute pas un seul instant qu'une fois rendu dans vos circonscriptions administratives respectives, les directives et recommandations issues de nos travaux feront l'objet d'une exécution diligente conformément aux 13 autres prescriptions de Son Excellence Monsieur Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, chef des armées. Avant de terminer, je voudrais vous réitérer les félicitations et les encouragements de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, pour le travail que vous et vos collaborateurs abattez, ainsi que les sacrifices multiformes consentis en vue d'éradiquer tous les fléaux auxquels le pays fait face, notamment la persistance des actes de terrorisme qui bêtent la tranquillité des populations, aspirant au demeure à vivre en toute quiétude sur le leadership éclairé de Son Excellence M. Paul Biya, chef d'État, chef des armées.
En vous souhaitant bon retour dans vos unités administratives respectives, je déclare clos les travaux de la première conférence des ministres de gouverneur des régions au titre de l'année 2021. Vive l'institution préfectorale, vive son excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, chef des armées, vive le Cameroun. Je vous remercie de votre travail. Excellent, mesdames et messieurs, avant de quitter cette salle de délibération de l'hôtel de ville de Yaoundé, nous vous invitons à bien vouloir vous lever pour le refrain de l'hymne national. Sortez, sortez, sortez.